Bonjour VOD. Nous sommes sur Binding of Isaac. Il faut savoir que je découvre le jeu depuis quelques jours. Du coup, j'ai déjà battu Mom hors live pour un truc avec en étant coaché par mon copain. Parce que en fait, il fallait que je le fasse assez vite parce que sinon, on ne peut pas utiliser les mods. Enfin, on peut les utiliser. Coucou VOD. On vous dit coucou VOD. On peut utiliser les mods, mais du coup, on peut rien débloquer tant qu'on n'a pas tué Mom. Du coup, je l'ai fait, comme ça, maintenant, je peux utiliser la donne qui me permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme item. Mais en vrai, voilà, je suis quand même à un superbe ratio qui ne va pas s'améliorer, je pense. Et voilà! GG pour Mom, merci! Du coup, Wapen, tu as déjà un tel niveau, t'as vu? Ah mais voilà, c'est pour ça que je sais à peu près 2-3 trucs, vite fait. Mais en vrai, chaque partie est tellement différente. Bref, on va lancer une partie normale. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse pour débloquer la suite, mais je débloque des trucs à chaque game pour le moment. Oh punaise! D'habitude c'est pas comme ça. D'habitude les murs ils sont pas comme ça, et le sol aussi, il est pas tout en parquet. Oh, je suis en normal hein. Bon. Bon, ça me stresse un peu. C'est rien le moins 4. T'as plus combien toi hanté? Alors, close combat familial. 16 contact damage per seconde. Close combat familial, comment ça, ça parle de pet ou... Ça me donne un pet, c'est ça? Un pet qui fait du close combat. Ah ouais, oh oui, d'accord. Il y a des boss qui ont ce pet là, il est tout vénère tout le temps, il attaque, il fait des... comme ça. C'est un pet, ouais. Mais oui, j'ai vu ton message qui disait qu'en plus le jeu a été... la difficulté a été augmentée depuis ses débuts. En tout cas depuis la dernière DLC. Du coup je me suis dit bah nice, c'est le bon moment pour commencer. Du coup let's go. Ah oui, il est tout vénère, regardez, il est tout vénère. J'aime trop. Là je tombe sur des petites... Alors ça fait rien ça, non. Finesse, j'ai pas l'habitude de... J'aurai des nouveaux modes dans cet endroit. Ok. Mais les araignées, j'en ai pas souvent... J'ai pas souvent un étage où il y a que des familiers. C'est très rare. Spawn 5 random cards. Ok. Ok. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai pas de thunes. I have no moulaga, mais... Mais je l'aurais pas pris de toute façon. Ah oui, du coup, il y a des mobs araignées. Oh là là, ils sont rigolos, ceux-là, je les ai jamais eus. Ah putain! Je m'attendais pas à ce qu'il saute de fou comme ça. Non, je vais pas prendre le cœur maintenant. Je vais prendre un demi-cœur plutôt que j'ai dû laisser derrière moi. La vache! Oh, heureusement que j'ai mon pet là, hein. Ah, attendez, je vais chercher mon demi-cœur. Oh, c'est stressant. Mais la musique est encore mieux. Voilà. Une véritable professionnelle. Non, vraiment. C'est You marqué? Je l'ai pas vu. À l'autre salle? Attends, la salle d'avant peut-être. Les mobs élites, ils te touchent, tu perds un cœur entier. Ah non, je savais pas ça. Oh punaise, je savais pas du tout. Caillou marqué où ça, ici? Je l'ai pas vu. Ah merde, je l'ai loupé. Merci pour vos applaudissements. Ah oui, là, là. Mais attends, je vais attendre. Je vais attendre. Parce que bah... Je me dis... je vais attendre. Oh punaise, punaise, punaise. Je sais pas... Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est un mob ça. Oui. Oh j'ai une autre bombe. Ok, on va faire le caillou marqué. Bon bah je prends un petit cœur. Il est où? Il est là. Je peux pas en même temps exploser un autre truc? Bah non, là y'a rien. Je vais mettre ici. Oh! Et la sacrifice? Et la sacrifice room? Mais il y a peut-être... Pas du tout. Je vais dire des bêtises. J'ose pas la faire, sacrifice room. Pour le moment, j'ai pas trop joué avec ça. C'est une découverte. Hein. Bah
Attendez, elle pourrait être où la secret room? Ici en fait. Elle pourrait être que ici limite. Attendez, je vais tester. Eh. Et je savais hein. Oh, ça m'arrange pas du tout, j'ai pas de thunes. Oh. Oh, ça m'arrange zéro, c'est trop pourri. Oh, je me suis trop fait avoir et puis j'ai caché une bombe du coup. Parce que là, tout de suite, ça m'arrange vraiment pas du tout. Ou alors... Non mais non, ça m'arrange pas du tout. Non, bah non. Je te dis ce que tu peux avoir dans la Sacrifice Room. Ah oui, si tu veux bien me dire. Parce que... Ouais, mais j'ai déjà pris les cœurs. Les cœurs bleus, j'aurais pas dû les prendre du coup. Elle est tellement forte qu'elle peut se passer de la Sacrification Room. La Sacrifice. Je peux faire sacrification. D'accord. Pardon. Je respecte. Écoutez, de toute façon, on va faire le boss. Et puis on verra. Un item de Satan des coffres des mobs. Un item de Satan, j'ai pas eu pour le moment. Oh, je connais pas. Oh, j'ai trop peur. Oh, regardez mon petit roquet, comment il est trop vénère. Ça, faut pas que... Oh, ça, faut pas que ça pop. Oh, les sauts qu'il fait, par contre, je m'y attendais pas. Vu qu'ils sont un peu lents, j'ai l'impression que j'aurai le temps de les éviter. Bah pour le moment, pas du tout. J'essaie d'être pas trop loin pour que mon petit roquet, il attaque. Oui, j'explose des boules de pu. Ok, un Black Earth, ça c'est bien. Range up. Limite... Allez, je tente la sacrifice, hein. J'ai qu'un demi-cœur. Et après, je prends le Black Earth. On va faire ça. Je connais pas assez les Sacrifice Room, mais autant tester. Hein. On est là pour découvrir le jeu. Je découvre le game, moi. Ok. Oh! Ok. Je pense d'avoir un coffre après les rooms clear, en gros, si je comprends bien. Bon, bah, je prends. Hein. Bon item. Bah, je prends. Là, c'est des petites araignées bleues. Et ça, c'est mes potes, les araignées bleues. Mais moi, elles me font toujours peur. J'ai toujours l'impression qu'elles vont m'attaquer. Mais elles m'attaquent pas, hein, elles sont gentilles. Mais c'est mes copines. Ok, bah on se tire et maintenant je prends ça. Hey, bon item, tu parlais peut-être de ça. Bref, j'ai pris la queue du chat. Ça se fait un super cosplay pour la Jackman Expo. Avec le bébé mort, enfin le bébé jaquet plutôt. Je dis jaquet, genre les... C'est comme ça qu'on dit. Non, roquet, je dis jaquet. Des roquets, le bébé roquet. Pour les petits chiens qui aboient. Jaquet, moi. C'est le stress de jouer devant vous. C'est pas comme si j'avais l'habitude, quoi. Ok, tout est enfermé, c'est trop cool. Et bah, je me tire. Ouh. Eux, je sais qu'il faut que je tourne tout constamment, parce qu'ils me suivent constamment. Et eux, il faut tout le temps pop des petits... Ils pissent du sang. Je fais la grande, je suis une gueudin. Oh punaise, c'est trop bien avec les bouches, mon petit roquet là, il est trop bien. Je te dis, je peux l'appeler Jaquel, bébé. Jaquel roquet. Vas-y, j'y attaque. Ah, je peux pas. J'ai combien de clés? Bah, 4. Oh, vas-y, hein, je prends. La moulaga. Ok. Encore une double salle. Voire une triple, en fait. Une salle au carré, quoi. Salle au cube, même. Je sais pas si elle m'attaque dès qu'elle me voit ou si elle saute aléatoirement, mais j'ai l'impression que, comme certains mobs, si elle me voit pas, elle saute un peu n'importe où. Téléporture, Devil Angel Room. Oh, je devrais faire ça maintenant. Je fais ça maintenant. Il y a un feu qui va me piquer. Voilà. Ok. Chance to spawn a soul earth when taking damage. Ça, ça a l'air trop bien. Monster have a chance to drop an alpha red heart. Ça, ça a l'air trop bien. Ça, c'est quoi? Double all clear ou all room clear reward. Ok. Ça, j'ai déjà. J'ai un truc déjà très proche. Je vais prendre l'autre, hein. Moi, je suis une débutante, j'ai besoin d'un truc qui me donne des cœurs.
Yep, tu peux. J'avoue, je te lis même pas. Hanté alors que je devrais... Salut Infernalou ! Que de Gumpy, c'est bien, mais il peut faire apparaître des coffres dorés. Donc, au revoir avec des clés. Bah écoute, ouais. Ah oui, j'avoue. Si... Bah, c'était le cas juste avant. Si à chaque fois j'ai ça, en fait, ça va me niquer une... Et oui, j'avais pas pensé à ça. Une clé. Plus jeune, je rêvais de faire un cosplay oufissime d'un truc qui n'existe pas. Et narguer les autres, genre, hein, quoi, tu connais pas? T'es trop nul, en fait. J'aime trop l'idée. Vas-y, je prends ça. Essaye de pas trop de spam. Pour te laisser découvrir, vraiment, si je dois hésiter, je te dis. Ça marche. Bah, c'est gentil. Mais ça, ouais, ça, j'ai déjà pris, je crois. Oh, par contre... Ah bah oui, non, c'est normal. Ok. Bah écoute, si tu veux une idée de cosplay, Lix, là déjà, t'as quand même une belle base. J'aime bien, il s'énerve tout de suite, mon bébé. Ok, là-bas, on n'a pas fait des salles, on y va. Ah si, j'ai des cœurs. Si un peu des bombes, ben ce serait bien que j'essaye d'en choper un. On verra. On verra, on verra, on verra. Déjà, la double sol. Vas-y, attaque. Il est trop fort, mon bébé. Il est trop énervé aussi, j'aime trop. Sacrifice room. 50 chances pour un coin. Pas le coup, hein. Je me tire. Ça, c'est l'item room. Qu'est-ce que c'est? Alors, invincibility N plus 0,28 de speed for 6 secondes. C'est quoi? C'est un trinket, ça, c'est ça? J'en connais pas trop les trucs. Ça, faut que je le prenne après avoir battu le boss. Ça, le cœur blanc, je sais que quand on a fini un étage et qu'on a battu le boss et qu'on descend l'étage en dessous, si on a un demi-cœur blanc, ça va nous faire un autre cœur entier en plus. Donc je ferai ça. Hello Grid! J'ai plus ce genre de soirée. Pardon. 20 contacts damage. Plus par seconde, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un truc à utiliser. Ok, ok, ok. Ok. Eh ben, je testerai. Cet item, c'est celui de Mario, en gros. Oh, mais oui, je l'ai déjà vu. Oh. Regardez, quand je suis là, je clignote. Mais c'est dingue. Bon, pardon. Let's go. Ah. Ah. Ça me fait trop peur. Du cheveu, moi. Faut que j'aille là. J'ai pas récupéré de bombe, ça, c'est bien dommage. Ça fait quoi déjà les dorés? Quoi ça? Je sais pas, fait gaffe. En gros, il y a des trucs, les trucs vont respawn. Voilà. Les objets respawn en gros quand j'ai une item room ou un truc comme ça. Ça, je crois que j'ai pris sans bien lire. Bon, de toute façon, ah si, j'ai des sous. Alors plus 5 coins. You know, open locked door and chest with coin. Oh, c'est bien ça. Oh, je pense que je vais le prendre. Comme ça, je peux ouvrir les portes avec les pièces et les coffres avec les pièces au lieu des clés. Et vu que j'ai un item qui me fait pop des coffres, ça sera peut-être bien. Et je prends ça. Et en plus, ça fait pop des coins, donc de toute façon, il coûte très peu cher en tout l'item. Donc c'est cool.
Je vais récupérer mon cœur blanc après. Et je vais essayer de tuer le boss. Sans me faire éclater la tronche. Ça va chaudement. Le ranking de Mastergirls Football aura lieu lundi. La team Albatros recrute toujours. Pièce bleue, trinket, oui. Derrière moi, il y a un trinket. Je vais peut-être bouger. Parce que sinon, vous le voyez pas. Excusez-moi. De pas avoir... Alors ? Ah, ma caméra, je peux pas la bouger ? Attendez. Non. Bah si, en fait, elle veut pas bouger. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'inverse et puis c'est bon. Horizontalement. Je vais faire hiver verticalement, je me suis retrouvée encore à l'envers au plafond. Encore. Voilà. La petite trinket. Donc le trinket et objet à utiliser, c'est des choses différentes. À chaque fois, j'utilise la même chose. Faire apparaître des restocks. Sorte de machine à sous pour ouvrir les items. Ah oui, d'accord, j'ai déjà vu. Merci pour l'info. Allez, let's go. J'ai séparé, ça ne m'arrange pas. Ils m'ont fait mal. Il fait trop mal mon item. Ok, ça c'est bien. J'ai du tears up et du shot speed up, c'est bien. Et j'ai encore une des villes. Ah mais non, c'est celle où je suis déjà allée. Et oui. Et oui. On va aller chercher le cœur blanc qui est loin. On va le chercher. Et c'est bien de le prendre à la fin parce que sinon, si on prend des dégâts, ben on le perd. Alors que là, je vais pouvoir avoir un emplacement de cœur en plus. Ce qui fait que je pourrais avoir 3 cœurs rouges en plus de mes autres cœurs. Et ça, c'est bien. J'aurais pu devenir une licorne magique. Comment ça? On réflexe le cœur blanc à la fin. Ah, merci. Mais c'est quoi le coup de la licorne magique? Ah oui, j'ai pas utilisé le trinket. Enfin, pas le trinket, l'objet. Oui, t'as raison. J'ai oublié que je l'avais. C'est un oubli. J'ai tenté de m'y remettre ce week-end à Mario Striker. Oui, moi aussi, tout à fait. On va y jouer dimanche après le tournoi MK. Ça nous fera pas de mal. Et là, regardez, mon cœur, il va se faire se fusionner. Regardez. Hop, voilà, j'ai un cœur en plus. Vous avez vu? C'est trop bien. C'est trop bien. J'avais pas de bombe, j'allais dire. J'aurais pu essayer de voir si... Machine à sous, encore. J'aurais pu essayer de voir si il y avait une secret room, mais j'ai pas de sous. Ouh, je les aime pas, eux. Un cheval. Plus 15% de chance pour des treasures to have two items. Ah, c'est bien. Parce que là, j'ai des chances d'avoir des treasures. Ah, ok. Ah, bah non, c'est pas bien. C'est-à-dire deux coffres, peut-être. Bon, on verra. Ah, non, oui, non, les treasures. Ah, restock box. Ah, j'hésite. Non, mais je vais prendre plutôt mon fer à cheval. Je pense que c'est mieux. Je sais pas, mais je pense. Vous aimez vous faire du mal. Écoute, je joue à Mario Kart déjà pour les tournois du dimanche. C'est du oui. Quoi ça? Ça d'où je viens? Secret est super secret, cherche à la fin. Quand tu as terminé les tâches, mais oui. Il y a peut-être plus de bombes. Tu sais mieux où elles sont. Alors voilà, je sais qu'en tout cas la secret. Elle est liée à... Elle est forcément collée à deux autres rooms. Mais voilà, je sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a certaines formes de rooms qui correspondent pas.
Eux, ils tirent par le cucu. Sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette enfilade là? Bonjour Dragonistar Pyrmos. Le Firefly aussi, je préfère. Tu as une chance de faire spawn en deuxième item. Dans item room, deux items. Oui, voilà, c'est ça. C'est que dans item room. Ok. Secret, au moins deux rooms collalettes. Super secret. Ouais, super secret, une seule. Ok. Vous allez bien? Mais oui, ça va, on découvre tranquillou. Ah, je les ai pas eu. Et elle, faut surtout. Si je les tue près de moi, et ben, elle m'explose sur la gueule et je suis triste. Allez. Elle. Et lui, s'il les attaque pendant qu'elles sont prêtes. Ah, ça va. J'ai de la chance. Les pises. Est-ce que j'entends une parce que je suis trop une gueudin? J'entends tes une. C'est comme mon item en fait. Ok. Ça spawn des blue spiders. C'est bien ça. Moi j'aime bien. J'aurais peut-être dû reroll. Bah non, je peux pas. Moi, je tente toujours les piles. C'est à double tranchant. Je ne trouve pas surprise. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue que ça dépend. Quand je suis au début de la game, pour le moment, je tente souvent. Et quand je suis pas au début, j'ai un peu peur. J'ai un peu plus ma... J'ai un peu plus ma lâche. À ce niveau-là. Eh bah très bien, encore un truc que je peux pas atteindre. Et j'ai toujours pas de bombe, hein. On va regarder ce qu'il y a ici. Le sac, limite, il me tente bien pour essayer d'avoir une fucking bombe. Blue Spider and Fly deal double damage. C'est bien ça, hein. Spider and Fly basé de famille, become stronger. Mais attends, le truc que j'ai eu en témoignage où la petite... Attends. Ah mais non, c'est la même... Ça va, petit Sam? J'ai dit bonjour dans ma tête, je crois. Je crois que j'ai dit bonjour dans ma tête. T'as deux teams pour les pills. Personne, je les prends. Là, ça dépend de mon stade. T'as déjà débloqué quoi que je vois plus ou moins? J'en sais rien. Je sais pas. La petite araignée bleue, là, avec un petit cœur. C'est quoi? Mais ouais, je sais pas comment savoir ce que j'ai débloqué. J'imagine que c'est des achievements, mais faut que je quitte. Mais j'ai débloqué Magdalene. Et un autre. Et Kane. Mais Kane, je crois qu'il était déjà là, non? Je sais pas. En fait, quand j'ai gagné ma première game, j'ai débloqué vraiment plein de trucs. Il est chaud comme tout le monde, mais ça va. Ah, si on te touche, ça fait apparaître des araignées bleues. Ah, c'est peut-être... Ouais, j'ai peut-être... Bon, on va voir. On va voir. Ah, c'est un gars qui veut des bombes. Ah, bah, j'aimerais bien moi aussi, mec. On est tous dans la galère, hein. C'est la crise pour nous tous. Ils mettent trop mon pet. Il est trop bien. Franchement, il fait tout à ma place. Ça, c'est trop bien. En plus, il fait bien mal. Ok, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a une roue là-bas. On y va. Il y a aussi un truc où je me fais encore beaucoup avoir. C'est le fait d'avancer un peu vite dans les rooms où il y a des pics. Et genre, une fois qu'on les a clear et qu'on se balade comme ça, et ben ça m'arrive très souvent juste d'avancer trop vite. Et de me faire niquer. J'ai pas de bombe, bordel! Ok. Oh, c'est chiant, j'ai pas de bombe du tout! J'ai trop de trucs avec... J'en ai besoin? Ah, je peux avoir des bombes, là. Ah, j'ose pas plus!
J'aurais peut-être besoin de mes sous plus tard. J'hésite encore à prendre l'item. Associé à l'item du shop, mais c'est ça. C'est ce que je me disais. C'est juste que pour le moment, bah, j'ai pas fait pop de trucs. Mais c'est ce que je me disais aussi, je me dis... L'item qui fait pop des araignées ou des... Je sais plus, des mouches, un des deux, araignées. Plus un item qui rend mes araignées et mes mouches plus forts. Ah, je tente, hein. Franchement, je tente. En plus, j'aime bien les araignées et trucs. Et en plus, ça me fait vraiment une super tronche, quoi. Les points de swag, c'est toujours important. On mange toujours pas de bombes, par contre. On a un peu marre. Les bombes qui veulent pas. Et non, c'est pas grave, hein. Je l'ai fait une seule fois, lui, c'est dur. Ah! Je peux utiliser mon item, je sais plus comment l'utiliser. Ah! Ça, c'est fini. Un truc qui me tombe sur la gueule. Ah, allez-y, les araignées, défoncez-les. Ah, pantelle! Allez-y, elles font rien! Mais vous servez à rien! Déteste. Speed up, je vais plus vite. Ça, j'ai déjà eu ça. Oh, j'aurais pas dû prendre le cœur, j'aurais dû tenter la sacrifice room. Hein. Cet étage m'a saoulé, je crois que je vais juste me barrer. J'ai pas de bombe, de toute façon. J'ai du mal aussi, je rencontre rarement. Ouais, j'ai du mal en fait à comprendre. Comprendre ses mouvements, il est toujours balèze, t'as toujours des trucs qui te gênent dans la room où tu le rencontres. Et puis bah quand ça tombe sur la tronche, ça j'arrive pas à anticiper que ça va me tomber dessus ou pas. Je me rends pas compte. Va câlin. Oh petit grisou. Mon pet pète tout, tout à fait. Ok. Allez-y attaquer. Merci. Je fais n'importe quoi. Voilà, j'aurais dû faire ça de base. Je préfère les mouches, au moins les mouches elles attaquent. Les araignées là, le font nawak. Bon, elles sont stylées, hein. Faut avouer, elles ont la classe. Mais elles font nawak. Bon, par contre, dans une salle comme ça, ça m'arrange un petit peu d'en avoir. Mais quand il y a plein de trucs au sol, c'est ça le souci aussi. Allié ou ennemi, quand j'ai plein de pets et qu'il y a plein de petits ennemis au sol, je finis par ne plus me rendre compte de ce qui est allié ou pas. Même quand c'est pas la même couleur, quand il y a plein de trucs qui bougent au sol, bah, quand ça grouille un peu, je trouve que c'est facile de se faire avoir et de confondre. Ah merde, j'ai plus de sous! Eh ben oui, j'ai acheté un item! Bravo, Lox! Génial! Il défonce tout! Oh, une bombe! J'en ai tant besoin! Elle joue une bombe. Oula. J'ai foncé dedans. Ça fait longtemps que je suis pas retournée sur Twitch. Quelqu'un peut me dire comment on voit les règles du chat, s'il vous plaît? Bah c'est des... En fait, ça dépend. Les streamers en mettent ou n'en mettent pas. Moi, je considère que les gens savent assez... Ce qui doit pas être fait ou ce qui doit être fait. Donc. Avec du chat en général, ça sert à rien. Dire c'est toutes les mêmes, peu importe le stream. Du coup, moi j'avoue que je me suis pas fait chier à en rajouter. On dirait, faut être respectueux. Faut pas insulter. Faut pas parler. Je fais n'importe quoi, putain! C'est pour ça que je les vois pas tout à fait. Je considère que c'est de la logique. Après, si c'est par rapport à est-ce que tu peux donner des conseils ou tout ça, oui, moi je les prends. Hein. Sur Binding of Isaac, je vois pas comment on pourrait refuser. Surtout quand on découvre.
peux éteindre, hein. Je peux réussir à éteindre. Ça sert à rien, mais je peux le faire. Voilà, j'ai fait. Vraiment une... C'est vraiment une super room. Et puis là, j'ai plus de cœur et j'en ai un peu marre. Je vais aller m'en chercher. Là, j'en ai un demi. Là, j'ai une bombe que je peux pas prendre, c'est fantastique. Là, j'ai un coffre que je peux pas prendre, c'est fantastique. J'ai pris une douche. I'm so fresh. Hein, c'est toi le streamer? Ah putain, j'avais pas vu. Voilà. Là, entre les trucs qui grouillent au sol et les petits projectiles, les tirs qu'on me lance, et ben, j'avoue que je sais plus ce que je vais regarder. Là, j'imagine que c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est vraiment un souci pour le moment. J'ai du mal à faire la distinction entre les tirs alliés et tirs ennemis. Entre les alliés et les ennemis. C'est tout ça. Je vais me cacher là tranquillou. Voilà. Voilà. Non mais ça me sert à rien du coup. Oh non, quel enfer. J'avais plein de pièges, je me suis dit ouais trop bien, j'avais pas beaucoup de... Enfin, au final il me faut trop des pièces. Oui, alléluia. Je vais l'ouvrir tout de suite. Hein. Rechargeable tears. Hop, 400 de damage. Mais attends. Attends. C'est quoi ça? C'est un objet à utiliser en témoignage ou pas du tout? Parce que mon objet à utiliser est bien. Non, je ne conseille pas. Je suis débutante, mais si tu peux essayer de battre maman 20 minutes pour surprise. Ah ouais, non, mais c'est pas prévu tout de suite, j'avoue. J'avoue, pas encore. Je maîtrise pas assez. J'ai bien la vie perso. Ok, ça va pas remplacer mon truc là. Item à charger? Attends, item à charger, qu'est-ce que ça s'appelle item à charger? Désolé. Ça va s'ajouter à... Ça va s'ajouter à mes trucs là. Ça va pas remplacer mon... Mon truc. Ah, plus tu charges la même, plus elle fait un dégât. Item normal, ok. Alors attendez, je vais tester. Ah, j'ai déjà eu. Ok. Ok. J'ai déjà eu. Et c'est vrai qu'il faut que je recharge avant d'entrer dans une room. Oh, par contre, il one-shot les abeilles et les abeilles. Les mouches, c'est trop pratique. Ok. C'est bien. Et ça, je fais. Même si en fait, j'ai pas de sous. Oh, ok. Non, on passe pas ta corne, c'est fort bebouille, c'est pour ça. Bon, après, c'est que... En vrai, quand je la replace, au pire, je la reprends. Je sais pas, j'ai toujours peur du côté irrémédiable de mon choix. Mais c'est pas le cas, c'est pas irrémédiable du tout. J'ai plus que deux pièces. Ah mais par contre j'ai des bombes. Des petites bebons. Alors, est-ce que... Là c'est pas bleu cipo, donc ça peut pas être au milieu. Bien. Là j'imagine que c'est bleu cipo. Et là aussi qu'il y a une secret room. Des deux côtés peut-être, maybe. Ça me permettra d'accéder à la challenge room. Si elle est là. Ah. Avant. Je vais accéder à la challenge room. Ça se trouve, là, elle est ouverte, j'en sais rien.
Je veux pas être déjà. Il est 23h. Hein. Je prends mon temps. Voilà. Elle est fermée, la challenge room. Parce qu'elle était tout à l'heure, mais je crois qu'elle s'ouvre si on est full vie. Ok. Alors, a plus only for the right eye. 28% de damage. Ah mais ça va être bizarre du coup. Vu que je fais qu'une seule tears, comment ça se passe pour un truc qui s'applique que à mon œil droit? Ah, je teste, hein. Au pire je teste en vrai. Franchement je teste, au pire je teste. Ah, mais je reste dedans. Non mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je vais mourir! Non! Je suis pas prête pour ça, je suis pas prête! Oh la luck. Oh! Je vois que c'est fini. Oh putain. Un demi-cœur quoi. Oh putain. Je l'ai très mal géré, mais j'en avais jamais eu une comme ça de challenge room. J'avoue que c'est ma première. Les autres c'était toujours des coffres et tu les ouvres et là il y a des petits mobs qui apparaissent 3 fois. Ou 4 fois. Don't panique, c'est trop tard. Oh mais j'ai qu'un cœur, je suis tellement morte. Il y avait quoi ici? Ah bah il y avait ça. Allez, on y croit. Oh oui. Ça va aller un peu mieux. Non, je suis pas par là. Dans la super secrète, mais quoi, elle serait là, elle serait ici. Il y a 6 possibilités. Oh non, bah non, j'en ai une de moins. Est-ce que ça vaut le coup que je tente le sac ou pas, à votre avis? En gros, toi, quand tu as marre de rager sur Elden Ring pour te détendre, tu commences Fatigue of Isaac. J'en ai pas marre d'Elden Ring, c'est juste que j'ai pas le temps ce soir. Sinon, j'en aurais fait. Mais c'est qu'Elden Ring quand même, quand t'es parti à jouer, t'es parti pour un bon moment. Binding, j'aime bien, tu peux te faire ta game et puis arrêter quoi. Voire faire la moitié et puis... J'irais que non, pas le sac. Ok. C'est bon, ma tête de mort au-dessus de la porte. Oh, j'ai pas fait gaffe du tout. J'en ai déjà vu, mais j'ai jamais été dedans avec la tête de mort. Mais du coup, il peut y avoir aussi complètement une super secret ici. Ouais, il peut en avoir vraiment à plusieurs endroits quand même. Ah, ici, il peut en avoir une là quand même. Ah non, mais il y a beaucoup trop de choix. Hein. Bon. Et je vais y aller comme ça. Hein. Pas le choix. J'aurais dû charger avant. Putain, je cherche la merde aussi, je me colle. Mais c'est pour que mes araignées elles attaquent et mon mob aussi. Mais putain, je vais dans sa trajectoire. Heureusement qu'il y avait mes araignées, hein, parce que punaise, là j'ai rien fait. Hein. J'ai aucun mérite. J'ai vraiment aucun mérite pour ce boss. Ah, c'est un jeu pas hyper détendant. Ah, c'est un jeu... Oui, c'est un jeu frustrant, j'avoue.
Bon, allez, j'y vais. Je tente pas la super secret. Mais oui, c'est ça. Demain, je serai moi, probablement pas. Allez, je tente la challenge. Peut-être le regretter, mais je tente. Ouais, des trucs pour les damage. Ils attaquent avec leur vagin. C'est perturbant d'avoir à charger son coup en changeant de direction tout le temps. Ouh, j'ai eu de la chance. Parce qu'en gros, pour ceux qui savent pas, bah, Nigga Fizek, on attaque soit avec... Ah, attendez, j'expliquerai après. Voilà. Soit avec les boutons qui sont là. A, B, X, Y. Donc voilà. X pour à la gauche, B pour à la droite. Voilà, vous avez compris le principe. Soit avec le joystick. Du coup, quand je charge, c'est plus pratique. Je peux changer de direction comme je veux, mais faut que tout le temps le joystick reste enfoncé, sinon ça lâche forcément. Du coup c'est bizarre, genre je cherche un coup en me disant tiens un mode qui va pop là, en fait il pop derrière moi, donc je suis obligée de faire attention à ce que le joystick soit toujours chargé avant de changer ma direction, sinon ça gâche un petit peu le temps que j'ai passé avant de charger ma tears. C'est bizarre à expliquer, mais du coup voilà, ça peut être... moi je trouve ça un peu perturbant parfois. Mais je suis peut-être très perturbable. Hein. C'est bleu si beau ça. Ah bon. Tu joues clavier soir à Banning? Ah oh, punaise. Ouah! Je pensais pouvoir le tuer avant. J'ai pas pu. Mes petits caca! Et la tête là? Et ben elle meurt que si je tue tout le monde dans la pièce, mais lui je peux pas le tuer. Les clés, il va falloir que je trouve un gars qui me demande des clés en échange de d'items. Non, pas ça! Je déteste ces têtes-là! On peut rien leur faire! Et ils sont chiants! Et en plus, lui, il met plein de sang derrière et c'est chiant. Ça va, ça va, ça va, j'ai géré! Et puis j'ai absolument pas paniqué, c'est pas mon genre. Alors eux, faut les tuer de dos. Mais l'avantage, c'est que mon mob, eh ben, il les tue comme il veut. Il don't give a fuck. La graffeuse. Prevent Isaac. Fearing tears from one eye. Ouais, mais comment ça se passe encore? C'est-à-dire toutes mes tears, c'est des fearing? Ah non, c'est une sur deux, tout simplement. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, j'ai pigeax, ouais. Eux, ça va, ils sont tranquillous. Ah non, eux, ils sont moins tranquillous. Ils sont vénères. J'ai failli me prendre un truc juste en... Allez, on tente. On est des fous. Oh non, je suis plus grand. Du coup, j'ai une plus grande hitbox et ça m'arrange pas. Oh, c'est quoi ça? We all pick up in the room. All pick up. Il n'y a pas de pick up là. Oh, j'ai peur. J'aurais pas dû ouvrir ça, moi. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que ça va reroll quelque... Ça veut dire... Ouais, ça reroll quoi? Parce que les pick-up, il... Ah! Non, les petits culs! Oh merde, mais oui, il se déplace. Oh, je suis nul. Je me fais toucher trop facilement. J'ai plus que 3 pièces et j'ai trouvé l'item room. J'ai pas trouvé l'item room, donc on va attendre. Attendre avant de dépenser nos petites pièces. Ils nous servent de clé, je précise maintenant. Bon, j'ai 4 pièces. J'en fais une ici. Évidemment, il y a une pièce qui pop là-haut, mais c'est pas grave, j'en ai eu d'autres. Donc en vrai, j'ai rien perdu. Is ok. Ici,
Il y avait un cœur que j'ai pas pris. J'ai pas vu. Ça, on ouvrira peut-être. Oh, si, je l'ouvre maintenant. Peut-être ouvrir ça plutôt. Ah, maintenant, je peux avoir deux trinkets. Si j'ai ça. Mais j'ai pas de sous. Alors, j'y vais pas tout de suite. Je tombe sur des phrases quand même dans ce chat. Consomme prix bon carte. Dans la pièce, il va les reroll. Ah si, il y a des consommes, mais il y en a pas, on est d'accord. Il y en avait pas. Je suis pas crazy. Oh, non, mais non. Mais oui, quelle nouille. Oh merde. Non. J'espérais... Leur... Enfin, j'espérais... les firmes, mais en fait, j'y arrive pas. Oh, je les connais pas, eux. Oh, ils explosent. Ok. Good to know. Oh, non, mais pourquoi je m'approche aussi, là? Quand je cherche la merde. Pourquoi je cherche la merde? Oh, je prends. Enfin! Alors, la vitesse en moins, mais j'ai de la range, du dommage, du heal. C'est bien! Moi je prends un max, c'est ça? Oui, complètement. Oh là là, voilà, là les pics, j'ai failli me les prendre. Alors je sais, mais j'ai des gros pieds. Je sais qu'on peut pécho les trucs qui sont au milieu. Non! Je me casse. Mais j'ai trop gros pieds là, je crois que je peux pas avec un truc qui me conduit. Quoi ça? Pourquoi il a des lunettes? Pourquoi ça me perturbe? The left hand has appeared. C'est quoi? Turn all chests into red chests. C'est quoi la différence entre les chests normaux et les red chests? Enfin, ça fait quoi de plus ou de moins les red chests? Je connais pas. Je suis demandé si pas comment on fait. Non, mais je sais que je peux, mais j'avais réussi en étant un Isaac petit. Enfin, pas un grand comme ça. Conversation très sérieuse. Oui, je vois ça, oui. Oui, je vois ça, Sam Grision. Parce que bon... Moi, je fais apparaître des coffres souvent. Alors, est-ce que c'est intéressant que maintenant tous mes coffres deviennent des coffres rouges? Je sais pas, hein, je connais pas la différence. J'attends juste que le chat me dise. Enfin, en témoignant, en gros. Ou n'importe qui le sait. Coffre qui dénonce soit item de Satan... Soit des mobs. Ah mais il me faut des pièces. Je risque de manquer de pièces. Je vais pas prendre. Parce que déjà bah il me faudra forcément des items classiques. Et les pièces, j'en avoir besoin de beaucoup quoi. Enfin si je veux acheter. C'est dans ces chests que tu trouves des items de Guppy. Transformation assez forte. Les chests rouges ne sauvent pas avec des pièces clés. Oui, mais dans les chests rouges, il n'y a pas de pièces, c'est ça que je veux dire. C'est que si tous mes coffres, parce que moi je fais apparaître des coffres classiques, si tous mes coffres se transforment en rouge, ça veut dire que je risque de manquer de sous pour ouvrir les portes. Parce que les rouges, ça veut dire qu'ils vont pas me donner de... Enfin, je me trompe peut-être, hein. Mais je comprends qu'ils risquent de ne pas me donner d'items classiques, enfin de consommables classiques. Et je vais en avoir forcément besoin des consommables. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? J'ai peur du coup, vu que j'ai besoin de plus de pièces que dans une game normale, j'ai peur d'en manquer. T'as raison, ok. Bon, va tenter, hein. Va tenter, mais j'ai envie de la tenter ici. On va te hanter. Oui! Ah, des pièces. Il y en a aucune que j'ai identifiée déjà? Officielle. La rouge. C'est là que c'est la meilleure. Oh ça on le savait. Range down. Merci. Allez, je les tente toutes. Tears up. Ça c'est bien. Je prends.
Let's go. Bah, let's go, en fait. Allez, j'y vais. Je vais voir ça. Oh 10% touche te pose une tierce. C'est bien, ça, non? Ah, mais c'est un trinket. Oh, je préfère la chance d'avoir deux items. Ah, quoi que poison, putain, c'est bien, en vrai. Mais 10% de chance, c'est pas énorme. J'ai combien en luck? Ah, j'ai deux en luck. Oh, non, je garde mon truc. Je pense que ça peut être assez puissant quand on croisera deux items. J'ai peur d'oublier un truc, mais si j'oublie, bah c'est tant pis. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû attendre d'être en difficulté pour le faire. Non. Putain! Nécropolis! C'est quoi? Tears up, speed up, je prends. Ça charge plus vite, c'est bien. GG, merci! Bon, un petit coup et puis on va passer à la suite. Oui, j'ai peut-être pas encore... Oui, je pense aussi que j'ai pas forcément débloqué les bons items, ça c'est clair. Demain, boulot 4h45. Ah oui! Trop chaud, mais oui, je sais bien. Je sais bien que tout le monde a trop chaud. Ça a pas duré. Bah. Oh non, j'aime pas ces trucs-là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin d'aller dans une sacrifice room. J'ai même pas fait gaffe, quoi, quel nulos. Oh, je fais mal. Oh putain, je fais mal. Oui. Moi, si j'ouvre un coffre et que j'ai deux pièces, c'est que j'ai bien fait d'ouvrir le coffre, c'est que c'est rentable. Même une pièce, en fait. Oh non, j'aime pas ceux-là qui sautent, là. Ils m'énervent. Ils sont trop traîtres. Mmh. Eh bien, dis donc. J'ouvre plein de clairs, d'éclairs. J'ouvre plein de clairs. J'ai eu de la chance de pas me faire toucher. Je l'ai bien vu, je l'ai constaté. J'ai trop avancé! J'ai pas fait exprès. C'est pas grave, ça me donne des pièces. Oh! C'est éternel, mais mais en fait, bah, vu que j'ouvre mes portes avec, avec des pièces, ça m'intéresse pas beaucoup. Waouh, il saute cela! Je connais pas. C'est pour ça qu'il saute pas avec son peinard. Donc les trucs rouges qui clignotent tout seul, c'est pas bien. Moi des fois je confonds avec le sang classique ou le sang que mon perso fait selon le perso que c'est. Selon les items et tout ça. C'est perturbant. Je suis passé là-haut. C'est quoi que tu... Et là c'était quoi? Ah, c'est un petit gars qui fait des clés. Et toi tu fais des bombes? Non, toi tu m'intéresses pas, Charge une vague de tears, one hit, les particularités charge. Téléporte une random bombe. Ah non, non, non.
Ça risque... Ah ouais, ouais, non, ça je prends pas. Hein. Ah, c'était quoi? Attendez, c'était quoi l'item? J'ai eu peur. Non, je me suis trompée. Je vais faire l'autre gâchette pour virer les items et pour pouvoir voir ce que j'avais pris. Ça, je m'en veux. Tant pis. C'est quoi ça, du coup? Ah, oh, j'arrive pas à voir ce que c'est. Oui, prends. Et ça? Ah, ça me fait voler dans la current room, dans la room actuelle. Ok. Is ok, j'ai pigé. Je me mets en danger de fou. Ça, ça m'arrive souvent de me tromper de gâchette. Pour utiliser mes items. Non, j'ai hâte de prendre Cursed Eyes. Après, à toi de voir. Mais je déconseille fortement. Ça a l'air à chier, ça me téléporte. On va te voler dans une pièce. Ouais, ça pourrait être utile peut-être. Oui, j'avais même pas ouvert ici. Enfin. Ok. Bah, je prends un petit familier encore. Ah oui, il charge. Ah, c'est rigolo. Il est rigolo. J'ai encore plein de trucs à faire. La salle d'arcade. On ira... Ah, j'ai pas ouvert le shop. On ira après. Je vais essayer de récolter un peu des pièces, ouvrir le shop, voir ce qu'il y a. Et après, on fera d'autres trucs. Comment je l'ai... Oh, si je me fais voler... Est-ce que si je vole, hanté, je peux passer à travers les pics? Qui m'arrangerait pour cette room, limite. Oui. Je vais le faire, hein. Les pics, moi, vraiment, dans trop de games, ça m'a saoulé. Dans trop de games. Que depuis une semaine au jeu, mais... Mais ça suffit. Alors. Curse Eyes, quand t'es chargé à fond, ton œil se met à clignoter. Sauf que si tu te prends un dégât, quand ton œil se met à clignoter, ça te TP. Juste sûr de fou, mais oui! Ah, les cailloux avec les pics, on peut pas voler dessus. Mais bon à savoir, ça, tu vois. Eh bon, ça va. Ah ouais, je peux voler au-dessus des cailloux, putain. Fantastique. Ok. Ok, bon, j'ai tout fait. C'est quoi qui m'est... Arrêtez d'exploser sur moi! Ah, il veut pas s'arrêter. Je le déteste. Juste pour le petit gars des clés. C'était bien ici, hein. C'était bien cet étage, oui. Je vais retenter. Je vais retenter de lui donner des trucs. Mmh. Tu donnes plein d'allocs, tu me donnes en chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Battez pas. Non, moi je dois déjà me battre contre l'adversité. J'ai besoin que vous soyez à mes côtés. J'avais à peine vu. Genre le petit d'abord, trop chiant les petits. Book of Sin, wow! High damage, windstorm laser. Oh, ça a l'air bien ça! Non mais ça a l'air mieux ça. Ça a l'air bien aussi. Je sais pas.
Vu que je suis une débutante, c'est peut-être mieux un truc qui me rend invincible. Ouais, je pense que je vais garder le truc qui me rend invincible. Je suis pas allée au shop, je vais aller au shop. Il est en bas. Putain. Bordel. Qu'est-ce que c'est ça? Convert pick-up into blue flies. Or spider. W1 blue flies. Or spider. Spawn 1 blue flies. Spider, when you don't have any. Qu'est-ce qu'ils appellent les pick-up? C'est genre les loot? Ah, ça m'arrange pas alors les consommables. Les pièces. Oh mais les pièces ils m'en font. Merci, dites-moi pour l'info. Les pièces j'en ai besoin pour ouvrir les rooms. De toute façon j'ai pas les sous. Qu'est-ce que je m'emmerde? J'ai pas les sous. Mais les autres trucs m'intéressaient. Mais j'ai pas... de toute façon j'ai pas les sous. En fait c'est pas les sous quoi. Est-ce que la challenge room est toujours ouverte? Est toujours fermée parce qu'elle était pas ouverte. Oh c'est trop loin. Oh je peux pas passer par là. Si ça se trouve je peux... Ça se trouve, il y a une room ici. Trop pas. C'est impossible. Elle me semble fermée. Bon, bah, je vais faire. On va faire un boss. Hein. Non, qu'est-ce que je fais? Bon, bah. Ah oui, non, la salle d'arcade! Quand même. Oh, quoique, quoi qu'il faut que je garde plein de pièces, alors ça m'arrange pas. Hein. On va voir comment je m'en sors avec le boss et on pourra peut-être tenter des trucs parce que j'ai des cœurs. J'ai des cœurs rouges là qui traînent un peu partout, donc on pourra peut-être tenter des queues trues. C'est pas par là. Je vais peut-être utiliser un petit peu tôt. Il y a trois fers ici. Ça me fait peur. Mais merde! Oh je peux pas partir parce que c'est Mom. Oh non j'avais pas prévu ça. Je savais pas que j'étais déjà à l'étage de Mom. Oh non je peux pas retourner à la sacrifice. J'aurais bien aimé tenter des trucs. Il y a plein de cœurs qui traînent partout là. J'ai combien de dégâts? Ouais j'ai beaucoup. Pas beaucoup. Bah je me tire hein. Y a pas d'autre moyen hein. Sauf avec un item. Bah oui, genre un item qui permet de revenir au spawn par exemple. Zut! Je savais pas. Oh, j'aime pas ces trucs là. Oh oh. Je vais aller là. J'aime pas ces items, enfin ces trucs, ces
J'aime ces trucs là avec les picots là, je déteste. J'aime pas les picots. Tears up. Tears up. Il a l'air de rien prendre, c'est normal? Ok, 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 j'ai pigé. Oh non, ça fait spawn des petites araignées, je crois que c'était les miennes. Et qui a changé de couleur à cet étage. Oh, je suis trop arnaqué. Non, putain, petite araignée, dégage. Ah, petit mob méchant, dégage. J'ai perdu des cœurs, là. Je vais ouvrir dans ton bureau, il doit faire meilleur maintenant qu'il fait nuit. Oui, non, mais ouvre ta fenêtre. Ok. Ah, oh, merde, j'avais pas vu. Oh, je vais mourir à cause de ces mobs. C'est qui, les méchants? Je galère. Trop d'informations à l'écran, j'avoue, je galère. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, putain, ça panique. C'est des puces. Oh la vache. Oh, j'aime pas ces trucs. Ça pop par millions. Double cœur. Ok. Is ok. Non, faut pas que je spam, faut que je charge. Ah, mais je pensais qu'il allait spop derrière moi. Moi, j'ai des pièces. Ok, ça c'est fait. J'ai pris un. Heureusement que j'ai des pets. C'est quoi ça? C'est rigolo. Attends. Je sais pas si ton copain t'a dit, mais dans l'utérus, tu trouveras pas d'item room et de shop. Ah mince, j'avais pas lu. Ah, je savais pas. Y a pas d'item room. Ah non, je savais pas du tout. Oh d'accord. Ah, dans l'utérus, y a pas d'item chose. Pas d'item ni de shop, item room ni de shop. Pas. Ah oui, voilà. Je prends pas. Vas-y, vas-y, ça m'énerve. Va où? Ok. Il y a des secret rooms quand même. Genre là, il pourrait en avoir une si je regarde là. En bas, c'est bien. Bah ça va. Là. Là c'est bleu cipo, vas-y je tente. Zut. J'ai 12 bombes, je vais retenter une. Ah y'a des araignées, elles sont méchantes. Ah y'a des araignées, elles sont méchantes. Je vois même pas ce qu'il y a derrière toi mec. Trop. J'aurais pu m'en servir pour exploser ça, mais franchement, tant pis. Hein. Crawl space rock. 10 rock blink every 10 secondes. Ah oh. Ah non.
C'est les trucs qui... C'est les trucs qui... Les cailloux qui envoient des trucs et du coup là ils s'arrêtent d'envoyer des trucs toutes les 10 secondes. Mon explication est parfaite. Je me défie de trouver une faille. Je vais pas aller dans la sacrifice, on va aller voir. Voilà! La challenge! Oh punaise, je vais tenter. Ça vaut pas le coup. Et je pourrais peut-être rentrer dans l'autre room du coup. Me sacrifier là. Bah oui, je pourrais. Je connais pas. Ok, donc là j'ai plein de cœurs. On va du coup aller dans l'autre room où du coup je perds des cœurs si, quand j'y rentre pour voir ce qu'il y a. Et on ira rechercher nos petits trucs ici. Ok, des troll bombes. Trop bien. Ok, deux troll bombes. Voilà. Bien fait, ça c'était une bonne initiative. La boss room, le palais, let's go. Vous arrêtez avec votre conversation bizarre là. Arrêtez de parler de vos vagins. La plupart d'entre vous, vous en avez même pas. Même pas ce qui m'a touché. On a un seul de raid. Ok. J'ai plein de chances de drop des hearts. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci! Sensation bizarre, le jeu il est pas bizarre. Oh ça va, il est moins que vous. Le mien est caché dans le dos. Non, mais... D'accord. Oh bordel. Traumatisme ça. Je faisais faire cacatu par les grands de l'école. Technique de bully très très, très connue. Nerveux. Et un sacrifice encore. Enfin, c'est pas une sacrifice. Enfin, si. Moi, j'appelle les deux sacrifice room parce qu'il faut sacrifier sa vie dans les deux cas. Mais j'imagine que c'est pas le même nom en vrai. Mais merde, pourquoi j'encule ? Oh, je panique. Ça me saoule. Voilà. Oh les sons, allez, oh, à la musique. Oh punaise. Je m'assurais que le niveau soit bien pour vous. Résultat, j'ai failli taille en fait. Vu que tout est rouge, j'ai peur que même les rochers me fassent mal. Alors que c'est bon, mais ils me font pas mal. Non. Ouais. Boulboula. Non, vos conversations, elles sont pas plus light. C'est juste vous qui comprenez pas la métaphore du game. Vos conversations, elles sont pas beaucoup de métaphores. Arrête. Arrête. Je m'en gille. Oh,
Je connais pas ces... Je sais pas, jamais de room comme ça. J'ai jamais de mob comme ça. J'ai trop peur. Oh, les bruits qu'ils font, le régurgitation là. Il va direct, c'est plein de sous. Oh, y'a un truc qui a la pire. C'est pire. Oh ouais, tiens, je vais jouer avec lui. C'est là. Oh, j'ai gagné. Là. Non. All flies enemy or friendly. Ça, c'est trop bien. Je prends. Oh, j'ai un petit caca. Vous voyez, mon jeu, il est pas bizarre. Bon, je pourrais aller dans la sacrifice tout le plus tard. Oh je... Ils font des lasers, les yeux. Bah, dis donc. C'est fort cocasse. Oh non, j'ai plus ma carte pour voler. Bah, c'est tant pis. Oh, quand il gonfle, s'il joue. Ah! Je savais que j'aurais pas esquivé. D'habitude il creuse et il repop. C'est qui me suit tout foufou là? C'est qui? Il me fait peur. On a dit qu'il faisait les mêmes mouvements que moi. Quand son petit russe commence à attirer les mouches, je suis pas sûr que c'est un bon signe. C'est pas l'utérus, c'est le caca. Les mouches sont tes amis? Oui! Ça me plaît bien ça. Bah là, elles sont pas amies là. Regardez, elles sont pas amies là. Ah, mais ouais, mais bordel, je crois que c'était des amis. En fait, ce sont pas des amis. Je vais chercher des cœurs. Après. Voilà, j'ai eu peur. Je commençais un peu à faire nawak là. Je vais me chercher des cœurs. J'ai un peu peur de la suite. C'est moi que je trouve une petite batterie. Non, encore. Ouais, j'ai réussi. Mais ça va. Ok, il y avait une sacrifice là-haut, on va y aller. Hein. On va aller voir. Hein. On n'a plus rien à perdre. Ok, ça double les spawns de spider ou de blue flies. Donc, c'est très bien. Je trouve. Ce qui est chiant, c'est que il me manque une recharge pour pouvoir avoir mon item pour le boss. Ça, c'est bien dommage. Mais tout à l'heure, j'ai eu un petit peu peur. J'ai préféré assurer le coup. Ah ouais! Je pensais que j'aurais d'autres cœurs. Je suis un peu triste là. Je vais aller en chercher ailleurs, tant pis.
toute façon, j'ai 18 bebons. Je vais tenter. Ah non, c'est vrai que ça passe pas par-dessus les trous. Oui, bon, c'est une phrase bizarre, mais arrêtez. Je vous en conjure. Hop. Pas grave, on va récolter ce qu'on peut récolter. Et puis c'est pas grave. C'est très pile. C'est quoi là-haut? En haut à droite? En haut à gauche, je veux dire? C'est un item? Attendez. J'ai un petit doute. C'est une clé! Ça, j'avais pas reconnu. Ok, je me tire. Bah, ok, on va pouvoir faire le boss. En espérant y arriver, hein, parce que c'est pas dit. Pas du tout. C'est par où? C'est par là. C'est pas par là. C'est pas. Allez, je tente là. En fait, où la secret room? On peut être là. Non, on peut pas être là. Je vais voir s'il y a pas être au-dessus là. Rien n'est moins sûr. Il y a pas un petit chemin qui permet. Ah si. Je tente. De toute façon, j'étais bon. Non. Il peut être en bas. Non. Là, je suis un peu à l'arrache. Il y en a aussi hein, ici des secrets. Allez, c'est la last, et puis je mange pas, tant pis. Ça marche! Respawn with full earth? De quoi qui respawn? Ah, d'accord, je peux respawn! Mais c'est incroyable! Ça existe ce genre d'item dans Binding? Mais je suis outré! Bah c'est bien. Bon, on y va. On va voir Mom. Non, c'est pas Mom. C'est It, je crois. C'est ça. Avec cette immerse, si tu meurs, tu respawn. Mais c'est fou. Mom's hurt. Ah, on perd les yeux. J'arrive pas à toucher, c'est normal? J'ai voulu aller chercher des cœurs et du coup bah il m'est arrivé des soucis. Ah putain, tout me touche là. Dis pépé. Moi c'est fini. Je sais pas si j'ai déjà vu cette cinématique, je crois pas. Un petit chocolat! Un petit pot de Nutos! Rubber. Ouais! On a réussi! Bisous la VOD! À ce plus!